vous allez bien. Donc, je reçois énormément la question en vous et en vous, ce que je pense de cette histoire de vaccin. J'en pense sincèrement, chacun son chacun. Voilà, en gros, chacun comme il veut, quoi. Avec chacun ses responsabilités. Voilà. Moi, je pense que tout le monde s'en prend au président, mais vous savez, je pense même pas que c'est lui qui décide. Ça, c'est ce que moi je pense, peut-être je me trompe, hein, mais c'est ce que je pense. Je pense que ça vient de bien plus loin, bien plus haut au final. Et je pense que vous n'avez même pas le choix, sinon le mec ne passerait pas moins bon avoir dit non jamais et au final oui. Maintenant je me dis qu'est-ce qui. Le vaccin il a pas mis de tuer quoi, au pire. C'est ça que je me dis. Je veux dire, moi mes enfants, ils ont même fait, ça n'a rien à voir ce que je veux dire, mais le vaccin contre la fièvre jaune, tu vois. Donc le paludisme, pas le traitement du paludisme et tout. Finalement, on ne peut même pas aller là-bas. Au pire, ils vont pas en trouver quoi. Alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas le recul nécessaire sur le vaccin, ça doit être bien conscient. Maintenant, visiblement, même les gens vaccinés attrapent toujours le corona, c'est juste qu'ils n'ont pas de gros effets graves ou bien d'effets secondaires accentués et tout. Mais ils l'attrapent quand même. Donc en soi, ça c'est un peu étrange parce que normalement un vaccin, genre prendre un vaccin contre l'hépatite, on n'a pas l'hépatite du tout. Donc vous voyez, je pense que même ce vaccin il est minime, tu vois, c'est pour minimiser un peu les dégâts, mais je pense même pas que ça arrête les dégâts. Maintenant, je pense que ici à Dubaï, en tout cas tout le monde le fait, tout le monde sans exception, genre c'est très rare les gens qui disent je suis pas vacciné. Nous je pense qu'on va tous le faire. Donc, honnêtement, je pense qu'on va se faire vacciner aussi. Comme ça c'est réglé, parce que de toute façon, ça sert à rien de se battre contre l'imbattable, ce qu'on appelle la première mafia du monde, c'est la politique. Donc si ça ne sert à rien, c'est battre contre l'imbattable. Si ça doit arriver, ça arrivera. Et perso, je ne vais pas rester enfermé chez moi pour un vaccin. En tout cas, j'ai deux applaudissements à faire. Un félicitation à toutes les personnes qui vaccinent. Et un félicitation à toutes les personnes qui ne se vaccinent pas et qui sont vraiment contre et qui vont dans le sens de leur conviction. Voilà, moi je pense que c'est pour ça que la conclusion, c'est chacun son chacun. Vraiment, chacun en fonction de comment il voit la vie et comment il voit les choses. Parler d'autre chose.